Bonjour tout le monde, ici Florian. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera assez bref, mais j'espère quand même assez instructif pour vous. En préambule de cette vidéo, je tiens à dire que nous avons dépassé les 300 abonnés sur la chaîne Florent Coco et je vous en remercie. Alors, quel est le sujet de cette vidéo? Pourquoi avoir appelé cette vidéo ce site web me bloque? C'est qu'en fait, vous l'avez peut-être remarqué, il y a des sites web qui vous bloquent quand vous utilisez un bloqueur de pub. Et vous ne sachant pas quoi faire, vous désactivez votre bloqueur de pub. Je vais vous montrer ça comme exemple en site web d'une grande qualité qui est Futura Science.com, qui est un site dédié aux technologies. Mais j'ai pris ce site web parce qu'en fait, ça s'y applique très bien. Et je vais vous montrer comment accéder à du contenu d'un site web auquel vous ne pouvez pas avoir accès parce que le site web vous bloque parce que vous utilisez un bloqueur de pub. Donc je suis sur cet article. Bon. L'article lui-même, c'est pas bien intéressant. Alors, je vais faire refresh, évidemment. Donc, il y a là une vidéo de Futura Science. Comme vous pouvez voir, la vidéo ne se charge pas parce qu'en fait, ils utilisent un bloqueur de pub et qu'il arrive que certains sites web soit bloquent l'accès aux vidéos que vous voulez voir sur leur site web ou à leur contenu même, à leur site web tout court. Et ce que font souvent les gens, c'est désactiver leur bloqueur de pub. Et bien, je vais vous montrer comment accéder à du contenu sans devoir complètement désactiver son bloqueur de pub tout en bloquant des pubs. Alors, pour cela, ce n'est pas compliqué. J'utilise Edge pour le coup parce que Edge est très pratique pour mes tutos. C'est un navigateur dont je me sers assez peu finalement. Donc, dans Edge, vous l'avez ici, sur le petit puzzle, vous avez donc ici uBlock Origin. Dans mon cas, j'utilise uBlock Origin. Je vous encourage à utiliser uBlock Origin. Parce qu'il est libre, open source, et contrairement à Adblock, il n'a pas de partenariat avec certains sites web pour laisser passer certaines pubs. Et souvent d'ailleurs, uBlock se fait moins souvent détecter que Adblock. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je sais que c'est le cas. Donc on va aller sur notre bloqueur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire. Enfin, on va désactiver le bloqueur pendant un bref instant. On va faire F5. Donc F5, c'est pour refresh la page, donc pour la rafraîchir. On va rafraîchir la page. Et très vite, on va réactiver notre bloqueur. Et vous allez voir qu'on peut comme ça accéder au contenu des sites web qui vous bloquent. Donc la technique est très simple, je la répète. Il faut aller sur la page web qui vous bloque, parce que si vous n'y allez pas, vous risquez pas d'accéder au contenu. Vous désactivez très vite, je vais vous remontrer. Vous allez sur votre bloqueur de pub, vous le désactivez, vous ne touchez pas la souris. Vous appuyez sur F5 pour rafraîchir la page et vous le réactivez très vite. Comme ça, vous pouvez accéder au contenu. Alors, je pense qu'il doit y avoir évidemment dans le code HTML ou JavaScript des lignes de code qui détectent le bloqueur de pub. Donc, qui se lance quand la page est refresh. Mais en fait, si la page ne se réactualise pas, le code ne se réactualise pas non plus, normalement, si je ne me trompe pas. Et quand vous faites la méthode que je viens de vous montrer, en fait, il ne peut pas le détecter parce que le code ne se réactualise pas. Je ne sais pas si c'est clair. S'il y a des spécialistes qui pourront apporter plus de compléments à ce que je viens de dire, qui en savent plus, je les invite à le faire en commentaire, je les lirai avec plaisir. Voilà. Cette vidéo est désormais terminée. J'espère que vous aura plu. Vous pouvez liker, partager, la commenter, faire tout ce que vous voulez. Mettre un pouce si c'est encore utile, enfin un pouce bleu. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. À plus, bye bye, prenez soin de vous.